Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vous montre comment faire du fluffy slime mais sans mousse à raser parce que j'ai beaucoup de demandes dans ce genre là, comment on fait quand on n'a pas de mousse à raser. Donc je vais vous montrer quelques astuces dans cette vidéo. Je vais commencer par faire un slime fluffy normal avec de la mousse à raser afin qu'on puisse aussi comparer après avec les autres solutions, voir si ça fait vraiment pareil ou pas. Donc là je vais vraiment suivre la recette de base, hein, colle, colorant, on met un peu ce qu'on veut dedans et ensuite solution pour lentilles. Je vais mettre un peu de billes de polystyrène dans celui-ci. Ensuite je mets de la mousse à raser classique. Et je vais mettre de la solution pour lentilles. Hop, je vais le laisser de côté, comme ça on pourra comparer après et puis je vais commencer à vous montrer les petites astuces pour faire sans mousse à raser. Donc je suis toujours colle, colorant, je vais mettre des paillettes dans celui-ci. Et là, au lieu de mettre de la mousse à raser, je vais mettre de la mousse coiffante pour les cheveux. Là, je vais mettre un mélange d'eau et de bicarbonate de soude. Voilà le résultat du coup, ça a un petit côté fluffy mais c'est quand même moins fluffy qu'avec de la mousse à raser. Mais en tout cas ça fonctionne, c'est déjà plus mousseux, plus volumineux qu'un slime classique. Donc voilà, sachez que la mousse coiffante ça fonctionne bien. Du coup pour ce slime je vais mettre de la colle, toujours pareil, colorant, paillettes, je sais pas quelle couleur je vais le faire mais je vais trouver ça bien vite. Ce sera vert. Ce sera vert avec des petites coccinelles. Et pour celui-ci je vais mettre de la chantilly. Si j'arrive à appuyer dessus, bah on sent. C'est une blague. Ah. Ça m'a l'air pas mal du tout, ça fait assez mousseux. Et ça me fait pile la couleur de vert que je voulais, donc c'est cool. On voit plus trop les coccinelles par contre, on va bien les retrouver. Franchement, on obtient un slime super fluffy, ça marche vraiment très très bien la chantilly.
Pour le troisième, je vais commencer directement par l'ingrédient qui va faire fluffy. Et en fait, c'est du gel à raser. Vous êtes très nombreux à demander si ça marche. Et ça marche, mais seulement il faut le mettre avant et le faire mousser. Là, vous avez quelque chose de bien mousseux. Et ensuite, vous pouvez mettre votre colle. Hop. Je pense que vous voyez qu'on obtient quelque chose de vraiment très mousseux et qui ressemble d'ailleurs beaucoup à la mousse à raser. Donc si vous avez seulement du gel à raser, pas de la mousse à raser, ça fonctionne très bien. Bon, le gel à raser, franchement, c'est top, hein. C'est hyper mousseux, c'est vraiment fluffy quoi. Pour le quatrième, je vais prendre un bol où je vais mettre ma colle. Donc normal. Je vais mettre du colorant, je vais mettre de la peinture marron. On fait jamais de slime marron. Peut-être parce que c'est moche. Ah quoi que si, il y a des slimes Nutella qui sont marrons. Hop. Et je vais prendre un autre bol avec de l'eau. Et je vais ajouter dedans du dentifrice. Je vais bien remuer jusqu'à ce que j'obtienne un truc assez mousseux et qu'il n'y ait plus de morceaux de dentifrice. Je vais verser ce mélange dans ma colle. Et je vais rajouter de la solution pour lentilles pour former mon slime. Super collant, hein, pourtant tout ce que j'ai mis comme solution pour lentilles. À cause du mélange eau et dentifrice, toute l'eau qu'on met dans la colle, forcément après on a besoin de un peu plus d'activateur pour pouvoir faire prendre le slime, donc du coup moi c'était un peu collant. Ça vous fera quelque chose d'un petit peu plus consistant qu'un slime classique, mais vraiment léger. Le fluffy avec la mousse coiffante, il est pas mal, mais je pense que vous voyez la différence quand même. Ça fait vraiment mousseux. Ça a un tout petit peu plus la texture gélatineuse du slime classique quand même. Mais ça fonctionne, si vous avez ça et que vous voulez un slime fluffy, ça fonctionne très bien. Celui avec la chantilly, je le trouve vraiment pas mal, hein. Franchement la chantilly, je vous le conseille, en plus ça coûte pas très cher la chantilly et puis vous pouvez après manger. Donc je trouve que c'est bien. Celui-là, bah, c'est clairement aussi bien que la mousse à raser, rien à dire. Et celui-là, je trouve que c'est celui qui a le plus la texture gélatineuse du slime classique. Ouais. Ça fait un petit peu mousseux quand même, ça fait un petit peu plus épais que le slime normal. Mais le dentifrice, c'est le moins bien. C'est dommage parce que pour le coup, tout le monde a du dentifrice chez soi, enfin je pense. Mais en tout cas, enfin, sachez que si jamais vous voulez un slime un petit peu plus fluffy, un peu plus épais que d'habitude, vous pouvez quand même le faire, ça fonctionnera, vous aurez quelque chose de mieux, mais vous n'aurez pas quelque chose d'aussi mousseux que la mousse à raser ou le gel à raser, ou même la chantilly qui est pas mal du tout.
Donc voilà, j'espère que ces petites astuces vous auront plu, vous auront aidé. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.